Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La traduction de sermon de vendredi, le 19 Ramadan. Ramadan est le mois de la foi et de la formation des hommes. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, « Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin. » Et d'autres attendent en cours. Ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé. Que notre maître Mohammed est son serviteur et son messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude des jusqu'aux derniers jours ensuite. La foi ferme en Allah, gloire à lui, soutient l'un des plus grands bienfaits divins accordés aux serviteurs. Allah exalté soit-il dit à ce propos, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien guidés, ceux-là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. C'est-à-dire en arabe, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Certes, le mois de Ramadan est celui de la vraie croyance, où les versets de jeûne commencent par l'appel de la foi. Allah, gloire à lui, dit à ce propos, « Ô le croyant, on vous a prescrit à Siyam le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi attendrez-vous la piété. » يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. La vraie foi exige de croire fermement en ce que vient de la part d'Allah, gloire à lui, et d'œuvrer en fonction de cette croyance. La vraie notion de la foi se trouve dans le célèbre hadith de Gabriel, salut sur lui. Cette notion qui doit s'ancrer au cœur de musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la foi est le fait de croire en Allah, en ses anges, ses livres, et ses messagers au dernier jour, et en destin, soit-il te paraît agréable ou désagréable. Ainsi, la foi n'est pas un simple mot à dire. Il s'agit plutôt de ce qui est bien ancré dans le cœur et bien approuvé par l'action. Allah, gloire à lui, dit, les vrais croyants sont ceux dans le cœur frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les vrais croyants à haut des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Le messager d'Allah, salut et bénédiction sur lui, dit: le vrai musulman est celui dans la nuisance langagière et la Emmanuel, les gens sont intacts. Le vrai croyant est celui duquel les gens sont bien rassurés en leur bien et âme. Quiconque se dérive par acte éthique du sentier tracé par Allah, gloire à lui, il se déraille donc de la vraie, de la voie, de la vraie croyance, de la vraie foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos: ce que procède à faire l'adultère, elle ne le fait pas en état de foi parfaite. Celui qui boit du vin ne le fait en pleine foi, non plus pour celui qui commet un vol. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a dit explicitement: non vrai croyant, quiconque apporte de la nuisance à son voisin, celui qui passe la nuit en toute satiété alors que son voisin est affamé, car la voie exige l'action. Le messager d'Allah, salut et bénédiction sur lui, dit: par Allah, il n'est pas un vrai croyant, en l'intrusa, c'est qui ce malheureux au prophète. Il a dit: ce dans le voisin n'est pas à l'abri de son nuisance. Il dit également: il ne croit pas véritablement en moi. C'est lui qui rassasié, il passe la nuit, sachant que son voisin à côté de lui souffre de la faim. C'est la vraie foi qui préserve son titulaire contre l'agression sur le droit des autres, purifie son cœur de la rancœur, de l'envie, de l'égoïsme, de la rancune, de la trahison, de la traîtrise, de la corruption, de la détérioration. C'est bien cette foi qui ajuste la moralité de croyant, ce que se projette dans ses comportements et ses mouvements dans l'univers et la vie, ainsi qu'en matière de son entretien vis-à-vis de toutes les créatures d'Allah. Cela se traduit en clémence vis-à-vis des humains, animaux et inanimés, dans le but d'obtenir la satisfaction d'Allah. Allah exalté soit-il dit, et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin, aux prisonniers des ans. C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Bon, la foi est un arbre dont la racine est bien ancrée et les rameaux tendent vers le ciel. Lorsque ses origines s'affermirent et les racines s'ancrent, cet arbre donne son fruit régulièrement par la permission de son Seigneur. Le vrai jeûne s'émane de cette vraie foi, où elle inspire à l'âme la sérénité, l'apaisement, l'observation des ordres d'Allah, gloire à lui. Le vrai croyant ne ment point. Le jeûne et le mensonge ne s'accordent des points. Les gens est basé sur le degré le plus sublime de l'observation des ordres d'Allah, gloire à lui, intimement comme publiquement. C'est quelque chose de confidentiel entre les serviteurs et son Seigneur. Quant au mensonge, il est l'indice le plus saillant de l'hypocrisie, voire son degré le plus évident. C'est que contredit radicalement la vérité du jeûne. Donc, jeûne et mensonge ne sont à
s'unir, soit s'agit-il d'ingénieur, soit s'agit-il d'un menteur. Mais ingénieur, menteur, non. Dans ce contexte, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque ne s'abstient pas de faux témoignages, ni de la mettre en application, Allah se passe du fait qu'il s'abstienne de manger ou de boire. Interrogé au sujet de croyants, pourrait-il être lâche? Le prophète répondit oui. Un croyant pourrait-il être avare? Le prophète de répondre oui. Pourrait-il être menteur, ce croyant? Le prophète de répliquer catégoriquement, mais non. Un croyant, ce n'est pas un menteur. Un menteur, ce n'est pas un croyant. La foi en Allah a une saveur et une douceur qui ne sont agotées que par celui dont le cœur sont remplis par la croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, goûtera la douceur de la foi celui qui agrée Allah uniquement pour Seigneur. L'islam en tant que pure religion et Muhammad en tant que messager. Il dit également, il y a trois caractéristiques quiconque s'en distingue, il trouvera grâce auxquelles la bonne saveur de la foi. Premièrement, le fait qu'Allah et son messager, lui, deviennent absolument le plus chéri, le plus aimé. Le fait d'aimer la personne exclusivement pour satisfaire à Allah. Et le fait de détester de revenir à la mécréance autant qu'on déteste et d'être jeté dans l'enfer. La foi et la bonne moralité sont indissociables. Notre prophète, salut bénédiction sur lui, dit « Les hommes les plus parfaitement croyants sont ceux de bonne moralité, ceux qui s'entretiennent avec bonté, ceux qui se familiarisent et sont familiers. Point de bien ne provient de celui qui n'est point familier vis-à-vis des autres. La foi est une lumière, le culte de même. Quiconque goûte la douceur de la foi, le plaisir du culte ne pourrait connaître que la tolérance, la facilité et le bon entretien. Il ne prouve point d'arrogance vis-à-vis des autres, des créatures d'Allah, gloire à lui. Ne leur montrez le visage maussade, ni l'air redoutable, ne répliquez point la mauvaise action par sa semblable. Il s'entretient avec les autres, avec indulgence et pardon. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'un de vous observe le jeûne, il ne doit ni dire de propos insensés, ni faire de bruit. Si quelqu'un se bagarre avec lui, il doit lui dire, j'observe le jeûne, j'observe le jeûne. Le doué des raisons doit connaître que son œuvre ne lui suffire point pour accéder au paradis. Il pourrait plutôt y accéder grâce à ses bonnes moralités, sa tolérance et son bon entretien. À ce propos, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un homme de vous divorcé est interrogé. On ne lui trouvera du bien, sauf qu'il avait des transactions avec les gens. Il ordonnait à ses commis de donner des laits à l'insolvable. Allah gloire à lui dit, je suis plus digne de cela que lui, délaisser l'eau, c'est-à-dire libérer l'eau. Nous affirmons que la vraie foi est une lumière qu'Allah jette au cœur du serviteur, ce qui lui accorde la sagesse et la certitude et le fait voir avec la lumière d'Allah. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit un jour, il fut croisé par un jeune ansari, de nom de Haritha ibn An-Nu'man. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea, comment vas-tu Haritha, kaifa asbaht? Il dit, je suis devenu un vrai croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, fais attention à ce que tu dis. Chaque propos a une vérité. Quelle est donc la vérité de ce que tu prétends? Haritha répondit, mon âme, c'est ça de s'attacher à la vie. Je veille ma nuit et garder la soif mon jour. Il me semble que je regarde évidemment le trône de mon Seigneur et voir les gens
de paradis y jouir et ceux de l'enfer y subir le châtiment. Le prophète de lui dire, engage-toi de ce que tu es aperçu, tu es un serviteur, à son cœur Allah ancra la lumière de la foi. La foi a dit divers rameaux que chaque croyant doit observer. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la foi se compose de plus de 60 ou 70 rameaux. Le meilleur en est de dire point de divinité en dehors d'Allah. Le dernier est d'écarter la nuisance de la route. La pudeur fait partie intégrante de la foi. Un homme interrogea Al-Hassan al-Basri, « Es-tu croyant ?» Al-Hassan lui répondit, « Il s'agit de formes de la foi. Si tu m'interroges au sujet de la première, à savoir de croire en Allah, ses anges, messagers, livres, et derniers et jours, destin, etc., donc je suis croyant. Si tu m'interroges sur la deuxième forme, c'était dans le dire d'Allah. Les vrais croyants sont ceux dans le cœur frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela faut augmenter leur foi. Ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah, ceux de ceux que nous lui avons attribués, ceux-là sont en toute vérité les croyants. Moi, je ne sais pas exactement si j'y suis parmi ceux-ci ou non. C'est-à-dire que il y a la foi, c'est-à-dire la foi traditionnelle, doctrinale. Donc, Al-Hassan al-Basri approuve qu'il est parmi les croyants, alors qu'il y a la foi honnête, pure. Donc, Al-Hassan al-Basri lui dit, moi, je ne sais pas si je suis très proche d'Allah à tel point ou non. La vraie foi assure aux croyants la paix, la sécurité et la bonne vie qui, sans laquelle, ne pourrait se réaliser. Allah gloire lui dit, quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre, tout en étant croyant de lui, feront vivre une bonne vie. Et nous le récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bon, il dit également, ceux qui ont cru et dans le cœur se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillise le cœur? الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Béni soit le poète qui dit, lorsqu'on perd la foi, plus question de la sécurité. Point de vie honorable pour celui qui ne revit point de la religion. Quiconque accepte la vie sans religion fera qu'elle soit égale au néant. Disons cela, j'implore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons, et ceux que leur suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères en islam, si Ramadan est le mois de la foi, il est également le mois de la formation des hommes. Le jeûne est une école qui forme les vrais hommes. Ahmad Shawqi dit, le jeûne est une privation légale, une correction via la faim, un recueillement, une humilité à Allah. Chaque obligation a une causalité. Le jeûne est le supplice en apparence et la clémence au fond. Il excite l'affection, incite à l'aumône, brise l'arrogance, enseigne la patience et fait de la bonté pieuse une tradition. Lorsque le rassasié connaît la faim et celui qui mène une vie de luxe se prive de délices, ils réaliseront comment la privation se fait et comment est-ce que pour les douleurs de la faim.
Contemplant le noble Coran, nous réalisons que la qualification vraie croyant n'est attribuée par Allah, gloire à lui, qu'à ceux qui le méritent effectivement, en étant sincères vis-à-vis d'Allah, sans altération. Allah, gloire à lui, dit, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent en cours et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Les vrais hommes sont ceux qui ont sacrifié leur âme et bien à Allah, Seigneur de l'univers, dans le sentier de la patrie, de la religion et de l'honneur. Ce, dans le but d'obtenir la satisfaction d'Allah, gloire à lui, qui dit, certes, Allah a acheté de croyants leur personne et leur bien en échange de paradis, et ils combattent dans le sentier d'Allah, et ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم رمضان et le mois de publier les mosquées et faire des prières nocturnes sur rogatoire, ce qui est l'un des facteurs de la formation de la personnalité et des hommes. Le vrai Dieu, gloire à lui, dit à son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Ô toi enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. » Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation pour la récitation. Ya ayyuhal muzammilukum al-layla illa qalila nisfahu aw anqusuhu qalilan aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. Bon, il y a encore aussi d'autres versets. Dans des maisons, c'est-à-dire des mosquées, qu'Allah a permis que l'on élève, où son nom est invoqué, le glorifie en elle, matin et après-midi, des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat, de l'équipement de la zakat, et qui redoute un jour, eux le cœur seront bouleversés ainsi que le regard. Fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismu, yusabbihu lahu fiha bil ghudu wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Pour la qualification des gens de paradis, Allah dit, ils dorment peu la nuit, aux dernières heures de la nuit ils implorent le pardon d'Allah. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Et ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Les prières surrogatoires de nuit sont à bien observer, surtout au cours des 10 derniers jours du mois de Ramadan, pour par assimiler l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se forçait au cours de ce jour plus que dans les autres jours. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, lors de l'arrivée des 10 derniers jours du mois de Ramadan, il, c'est-à-dire le prophète, lassait la ceinture, indice de l'abstention sexuelle, veille la nuit en prière et éveillait ses épouses. Elle dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mêlait les 20 premiers jours du mois de Ramadan avec les prières et les jeûnes au cours des derniers jours, il se consacrait entièrement aux actes cultuels. Ramadan forme les hommes, freine les penchants de l'âme, enseigne l'apaisement, la conscience éveillée, la bonne conduite, le savoir-faire, l'élévation de bonne moralité humanitaire qui gère la vie de l'homme et l'aide à le bien mener. Ainsi, il observe le droit, assume le devoir et œuvre pour faire le bien à lui-même, à sa société et à sa patrie, ainsi qu'à sa communauté. Cela a des bons effets sur la stabilité de la société et son progrès, d'où se propage l'esprit de l'affection, de la sympathie, de l'interclémence et les autres nobles sens qui contribuent au progrès des peuples. Il faut se soucier de bien, de bien exploiter des tels jours très très bénis que l'évocation, invocation, récitation du Coran et de s'efforcer de faire tout ce qu'Allah nous ordonne pour éviter d'être privé des bienfaits d'Allah dans ces jours bénis. Le prophète sallam dit: Allah a des bienfaits à vous accorder saisonnièrement dans votre vie, exposez-vous à eux, puis l'un de vous en soit frappé d'un de ces bienfaits, ainsi il ne sera point privé. Ô notre Seigneur, agrée nos œuvres, tu es certes l'audion, l'omniscient, agrée notre repentir, c'est toi qui agrée le repentir et accorde la miséricorde. Wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, préparé, traduit et présenté par Dr Kamal Gadal.